Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment sortir de bootleg. Alors, il faut être en capture du drapeau, donc vous faites soit un écran scindé ou soit avec un pote. Alors il vous faut faire une classe pour le porteur de drapeau et une classe pour chaque équipe, donc différente hein. Donc vous allez dans là où je suis, donc, dans ce drapeau là, dans votre classe il vous faut une insertion tactique. N'importe quelle arme, hein. Silence de mort pro et une classe avec un mitrailleur de spray. Donc vous obtenez votre mitrailleur de spray, donc c'est-à-dire 18 kills sans mourir. Donc voilà. Voilà. Alors votre ami doit se placer sur son drapeau. Voilà. Vous positionnez dessus, ça va bugger. Donc voilà. Vous le placez là où je l'ai mis. Donc voilà, quand vous êtes dans le spray, vous dites à votre ami de s'enlever de son drapeau, donc de partir. Vous laissez faire, vous pouvez un peu bouger quoi, vraiment pas beaucoup quoi. On va accélérer, donc là vous voyez ça bug. En appuyant sur carré, ça va vous faire la visée thermique. Donc voilà, donc je l'ai fait là. Ensuite, en tirant, votre mitrailleur de spray, il tire aussi. Hein. Là, je continue et voilà. Alors ensuite là, il m'a sorti hein. Je fais un peu le tour pour vous prouver que c'est bien une out of pap. J'ai dit à mon ami viens là. Voilà, donc en plus on peut rentrer en sautant sur les poubelles. Donc là il est là, lui il est dedans la map, moi je suis hors. Donc je vais faire vite fait un petit tour de cette map. Voilà, donc. Donc c'est une autre façon. Donc d'habitude il y a coup de bouclier plus couteau de lancer avec la moa, voilà. Donc c'est assez chaud quoi. Pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, il y a cette technique. Donc, franchement je suis débutant. Franchement je l'ai réussi du premier coup. Donc c'est très simple. Donc ensuite je tire par terre pour voir s'il n'y a pas des trous noirs. Donc quand il n'y a rien dessus, c'est un trou noir, donc, comme là. Là c'était pas un trou noir mais là. Là on dirait, et après je suis allé dedans, certains ont la C-130. Là. Donc je vous laisse découvrir cette map, et à la prochaine pour une nouvelle sortie de map.